Les nanosciences et nanotechnologies, كتابٌ صادرٌ عن ديوان المطبوعات الجامعية لمؤلفه بن يحيى فريد بالتعاون مع برونو برنار. المؤلف يعمل كخبير دولي في الاقتصاد. وبحكم أن النانوتكنولوجيا علم يمس عدة مجالات، فهذا الكتاب موجه أساساً للطلبة والباحثين في مختلف التخصصات. J'ai été contacté par un député et professeur européen donc, à l'Union européenne qui était très intéressé. Donc, il a contacté la direction générale donc, de l'OPU qui m'a demandé, il y a quelqu'un qui vous demande. Donc on s'est mis en contact. Et puis il m'a dit que j'étais vraiment surpris, étonné de voir cet ouvrage-là, des nanotechnologies en Afrique. C'est-à-dire que... Je dis que l'Algérie quand même dispose de certaines compétences qui peuvent faire de la recherche, qui peuvent développer pas mal de points. Et à partir de là, donc, il m'a demandé est-ce qu'il y a une possibilité qu'on essaie de développer cet ouvrage. Alors j'ai accepté. Et donc j'ai fait le travail donc, à 80, 90%, 85% dont je suis l'auteur principal. Et puis donc lui était beaucoup plus intéressé par rapport aux risques et tout ce qui est commercial des nanosciences et des nanotechnologies. L'ouvrage dispose donc d'une certaine démarche. La première des choses, c'est de faire connaître au lecteur, c'est-à-dire c'est quoi les nanosciences et les nanotechnologies. Parce que la plupart ne savent pas c'est quoi les nanosciences, sauf bien sûr pour les scientifiques. Le deuxième point, donc, on a parlé de l'aspect fonctionnel. Et donc on a parlé aussi donc, comment l'historique des nanosciences et des nanotechnologies. Et puis on a essayé de développer donc, à travers les transistors, à travers l'utilisation des nanosciences dans le domaine médical, les recherches actuellement dans les domaines... Donc, militaires, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de la construction, dans le domaine aussi donc du paramédical, etc. Donc c'est un domaine qui est très très vaste, qui touche à tous les domaines, d'accord, et surtout tout ce qui est télécom, sécurité spatiale, sécurité des systèmes d'information, le développement des systèmes d'information. Donc on touche à tous ces aspects. Donc les chercheurs qui veulent développer leurs connaissances, aller vers la grande recherche, donc je pense qu'ils doivent passer par ce jalon donc, qui est cet ouvrage. Le livre s'est déjà mentionné, donc il est destiné aux étudiants, donc master et préparant le doctorat, destiné aux enseignants de l'université, destiné aussi aux chercheurs, destiné aux chercheurs, c'est dans le domaine militaire et médical, aux médecins, aux grands ingénieurs dans les labos de recherche et aussi aux grands, je dirais, spécialistes dans les grandes stratégies et la prospective. Donc, dans le domaine de l'écrit, j'ai, je dirais, 3 ou 4 ouvrages. Donc, il y a un autre ouvrage qui est près, je dirais, à 80%, donc qui parle sur les énergies. Et l'autre ouvrage que j'essaie donc de préparer, c'est, je vais le faire en arabe, donc « Ilaj al-faqr ou al-batala fil-alam ».